Amis téléspectateurs, amis pays d'Haïti et amis auditeurs qui branchent nous à travers tout le pays. Il faut connaître que nous en direct depuis Bruxelles, Belgique, côté que le président pays a pour aller gagner son excellent Jovenel Moïse. Il a gagné une rencontre là avec la communauté haïtienne dans Bruxelles et ses environs. Que vous pouvez capable suivre à n'importe quel moment, président en route, président pralivé sous. Mais en prélude, nous faut regarder, nous faut vivre tout haïtien Sayo qui ont même qui là vini à Patan pour croiser avec le président de la République là lui-même qui souhaite participer dans One World Summit de Paris. Donc c'est comme ça que nous même nous faut vivre rencontre qui était faite avec en France, Saint-Denis. Et bien jeudi à nous là président lui-même les Belgiques et à n'importe quel moment ou êtes capable de suivre en direct pour tout le pays sur Radio Télé Guinée. Entre temps, il y a un artiste, c'est Amos Coulange. Amos Coulange, qui fait partie d'un groupe qui est le duo Métis Cacao. Mais cette fois-ci, il est en solo. Et dont vous n'aviez pas la confirmation ou
que vous ne saviez pas si c'était vrai ou pas. Parce que le président, ce soir, va s'adresser à vous et il va vous parler de ces 10 mois de prise de pouvoir en Haïti. Comme vous le savez, c'est un président qui est sorti de 22 mois de campagne électorale et qui est arrivé au timon des affaires, à la tête de l'État haïtien, avec 3 situations. La première, il n'y avait pas de gouvernement. Le gouvernement était démissionnaire. Et dans les lois haïtiennes, un président ne peut pas fonctionner sans un premier ministre et des ministres. La deuxième, la situation était extrêmement difficile sur le plan financier. Tout le monde s'en souvient de la flambée du dollar. Tout le monde s'en souvient de ça. La troisième, il n'y avait pas de budget. Le budget national, normalement exercice financier prévu pour durer toute l'année, avait déjà été dépensé en février. Ce qui veut dire que le président est arrivé avec cette situation-là dans la main. Il va avoir le plaisir de vous expliquer ça en long et en large. Je ne suis que celui qui le présentera tout à l'heure, mais je vous mets la table. Hier, d'abord, je salue mes amis de la presse qui sont là, hein, qui ont fait le voyage avec nous. Messieurs, chapeau, on fait les péripéties ensemble depuis Port-au-Prince, New York, Miami, Paris et aujourd'hui Bruxelles. Et je salue aussi les médias qui sont en direct ce soir. Laissez-moi vous dire que ce soir, vous êtes en direct. Pour les gens qui sont dans la salle, ne grimacez pas trop parce que vous êtes en direct sur Facebook, Twitter et les différents canaux haïtiens. On vous regarde en direct à Port-au-Prince, on vous regarde aussi en direct à Paris, on vous regarde aussi en direct à New York, on vous regarde aussi en direct à Miami, dans les grandes agglomérations de la diaspora de la République d'Haïti. Avec les médias qui sont là, et ces messieurs, ils ont fait un travail énorme pour ouvrir cette tournée, la semaine européenne, la première semaine européenne de son excellence. Radio Télé-Guinée, en direct absolu, sur toute Haïti et dans le monde entier. Deuxièmement, on va parler à ces compatriotes haïtiens vivants à Paris. Hier soir, c'était magique à Paris. C'était magique. Il y avait tellement de monde que même moi, je ne savais pas si on allait finir. On a terminé, il était 11h du soir. Imaginez. On a commencé, c'était 7h, et on a terminé à 11h du soir. Les gens ne voulaient pas partir, ils voulaient continuer à écouter le message du président de la République. Ce soir, j'espère que non. J'espère que vous allez écouter religieusement le président et on va se coucher tout. Peut-être. Ça va être bon. Parce que lui, il est là et comme vous savez, vous l'avez vu pendant les 22 mois de campagne et vous l'avez vu aussi pendant son exercice, il n'a pas peur des questions. Il est prêt à répondre à vos questions après son exposé. Mais laissez-moi mettre la table pour vous. Laissez-moi mettre la table pour vous. Il y a beaucoup de gens ici qui ont entendu parler. Je parle de mes compatriotes. Et pour nos amis, je crois que le président arrive, mais pour nos amis qui sont amis de la diaspora, il y a beaucoup de gens ici qui ont entendu parler du thème caravane de changement. Est-ce que quelqu'un nous l'a tel valise? Est-ce que quelqu'un a ici là pour parler de caravane de changement? Hein? Mais est-ce que nous connaissons qui ça dit? Hein? Un petit peu, un tout petit peu. Bon, laissez-moi vous dire. La caravane du changement qui sort tout droit de la vision du président de la République, c'est un instrument, une stratégie mise en place, premièrement, pour pouvoir faire atterrir les promesses électorales du président. Deuxièmement, arriver directement sur la population, là où les besoins se font sentir. Il faut que
Bon, il va y avoir, j'avais oublié cette partie, il va y avoir une production juste avant le message initial. Il faut que vous sachiez que c'est une stratégie. J'aimerais que nos frères et sœurs soient dans la salle, en sortant d'ici, qu'ils partent ici avec ça dans leur esprit, que la caravane du changement, c'est une stratégie. Il n'y a pas de ministère à la caravane du changement. Il n'y a pas de projet caravane du changement. Il n'y a pas de programme caravane du changement. Il n'y a pas de ligne budgétaire non plus qui est intitulée dans le budget national caravane du changement. Non. La caravane du changement, c'est la mise en commun des ressources de l'État afin d'adresser les problèmes de la population. Exemple, vous avez nous qui là, après des nouveaux exercices tout petit, tout si là, on n'y parle pas de presse, peut-être, dans le mois de décembre. Pour nous n'y parle pas de presse dans le mois de décembre, pour nous dans le studio spécialement, l'arrivée de Bokai, sous ma jeune machine, pour moto, rive Carayon, et puis moi, n'importe qui monde, en lieu de Carayon, votre caravane changement. Moi, je n'importe qui monde, en lieu de Capéré, votre caravane changement. Le ça, mon Capéré, il y a montré où tu es et il y a poussé la caravane changement. Il y a montré où. Usine asphalte là qui démarrait, qui était campée depuis 12 ans, il a poussé sa caravane changement. Il a montré aux rivières à la ville qui curait, il a poussé sa caravane changement. Et il a montré aux gens 10 pieds bois qui prend produit 4,5 millions de bois et il a poussé sa caravane changement. Donc, on a vu sur la Tibonite. Nous n'en sommes plus. Pour nous la Tibonite, l'aura rentré. Les eaux, l'on va rentrer dans différents cadres, le président va nous voir tout à l'heure, et bien paysan, il y a tout, c'est ça qui caravane changement. Donc, pour si là, qui est le média, qui a une responsabilité pour informer frère actionnaire qui est notre diaspora, parce que nous connaissons ça, qu'il y a cette manque d'information en provenance d'Haïti, je vous dis, vous allez l'entendre. Caravane changement, c'est une stratégie mise en œuvre pour pouvoir mettre les ressources de l'État au profit de la population. Le président de la République est plus à même que moi-même pour lui venir tout détail sur ça qui est caravane changement tout à l'heure et il va arriver. Comment la soirée va se dérouler? Il va y avoir tout d'abord les mots de bienvenue. Du chargé d'affaires, M. Fanfin, si je ne m'abuse. Ensuite, il va y avoir la projection pour que nous soyons capables de voir 10 parties, parce que c'est 12 minutes, il y a 10 parties de réalisation qui fait en deux pays pendant la prise du pouvoir de. Son excellent journal Moïse à partir du 7 février. Mais pendant que je dis ça, j'aimerais juste rappeler aux gens. Parce que je trouve ça dans la diaspora, mais je trouve ça aussi en Haïti. Les gens ont l'impression que le président de la République, Jovenel Moïse, il a pris le pouvoir depuis près de 5 ans. Tellement qu'il y a des demandes, tellement que lui aussi il va vite. Ils ont cette impression. Mais j'aimerais juste que vous partiez d'ici avec ça dans la tête. Tout ce que vous allez voir sur ce clip, tout ce que vous allez voir dans ce clip a été réalisé pendant 10 mois. Et la bonne partie, ne l'oubliez pas de ce que j'ai dit au début, la bonne partie a été réalisée avec un gouvernement démissionnaire et sans budget. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire mettre une stratégie en place et élaborer des projets. Tout ça part d'une vision, certainement. Et puis ensuite, établir le leadership. Et puis ensuite, établir le leadership.
On vient de me dire ça que le président devrait arriver incessamment. Là, je suis marié de la Macédoine. Amis téléspectateurs, Radio Guinée qui est en direct, donc son documentaire qui a passé de réalisation président en Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti, que nous habitués quand même. Pendant ce temps, nous-mêmes nous font aller et dans les coulisses avec porte-parole de la présidence, qui c'est Madame Tamara Orion, que n'a pas dit auditeur, téléspectateur, n'a pas avancé avec image pour eux-mêmes. Cependant, qui ça que. Journée jeudi à nos Belgique avec président République là. On connaît que tournée président République là en Europe, c'est une tournée qui t'a conduit notamment en France et en Belgique. Hier, président capable d'y rencontrer avec communauté haïtienne en France côté, li a discuté avec eux, li parlé avec eux sur diverses réalisations le fait pendant 10 mois que li gagne en tête pays en où est que moun yo t'es content, yo t'es soif ça puisque dans dimanche rencontre ça pas fait mais grâce avec diligence ambassade Haïti en France, rencontre la fête et en pile de compatriotes qui déplacés ou sont satisfaits. Le président Jovenel Moïse te prend point par point tout ça le fait, notamment à travers la caravane du changement. Il parlait tout sur la question de la bonne gouvernance, il parlait tout sur la lutte contre la corruption, il parlait également sur un point qui est actualité, qui est la question élection et où il prend 5 questions. Et on sentit que Mounio sous soif parce qu'il a envie de continuer à dialoguer avec le président parce que ce n'est pas tous les jours que le jeune président a parlé avec lui. Et ça fait tout le président te mettre en pile l'accent pour dire aujourd'hui, il est nécessaire pour écouter parole qui a sorti dans la bouche officielle, parole qui a sorti dans la bouche monde qui placé au plus haut niveau de l'État, pour pas quitter le monde chauffer tête parce que leur a fait l'autre communication qui pas communication institutionnelle là ou qu'a dit toute bagaille. Je dis président li dans pays Belgique côté même processus a continuer discuter avec communauté haïtienne qui en Belgique mais tout discuter avec de l'autre partenaire qui en Belgique pour garder qui possibilité d'une part cap gain pour affaire. Côté entrepreneur haïtien avec entrepreneur belge à discuter ensemble, mais tout garder qui l'autre opportunité capable de gagner pour président arriver réaliser un plus gros projet qui c'est construction des micro-barrages pour le capable gérer et maîtriser les eaux de surface. Alors, nous pas trop entrer sous Belgique parce que le pays d'Haïti pour le vivre, rencontre tout ça, président Gimboldi. Mais cependant, on prend Paris. D'abord, sommaire. Qui ça que au même qui ça que
pays d'Haïti. Pays à côté président Soti, président Jovenel Moïse Soti, li parle pour lui, li engage l, et en même temps, qui ça que nous-mêmes nous capables de comprendre pays à de sommet ça, rôle et importance et avantage. Pays de comprendre, je dis, son leadership côté son président qui a porté dossier pays d'Haïti au plus haut niveau. Et nous avons une chance inouïe, puisque à partir de janvier, c'est Haïti qui prend le président CARICOM. Et il y a un pile d'argent qui plébiscite dans la question sommet, ça. Il y a une question de 7 milliards qui parlait pour le pays dans le Caraïbe. Et président Jovenel Moïse dit 7 milliards, ça, il y a le plébiscite, il y a le parler de lui chaque jour et il y a le mettre des projets sous lui. Et l'autre avantage qu'un pile haïtien capable de penser qu'il peut tirer de sommet, ça, c'est que les chefs de l'État dit qu'il peut parler sous question. Pour pays d'Haïti pour aller des projets sérieux qui va le faire parce que question changement climatique là oui il concerne nous mais jodi an gagner centre de germoplasme que président Jovenel Moïse jodi an gagne un grand ambition c'est mettre 10 centres comme ça dans 10 départements pays avec une capacité de 4 500 000 pieds bois et reboisement pour entrer dans curriculum timoun yo d'une part reboisement pour permettre que nous traiter bassin versant yo donc c'est tout on avancé et question et one capable dire one planet sommet ça c'est un événement qui montre que pays d'Haïti jodi an gagne la voix. Il y a des gens qui pensent pour lui capoter problème au plus haut niveau et bon côté tout notre pays. Et question énergétique là, je dis à ouais, président Jovenel Moïse a dit que pays qui parlait de pipiti et quantité énergique, parle de gigawatts, on nous même nous besoin 800 mégawatts qui vont nous courir 24 sur 24. C'est pour montrer que je dis nous sommes pays si nous pas joindre des autorités, tant qu'autorité qui l'a capoté dossier nous au plus haut niveau, nous même n'a fait bac. Président Jovenel Moïse dit nous camper. Camper, c'est pour nous avancer avec le pays, mais ce n'est pas pour nous faire back. Parce qu'il faut que nous mettions nous au même pas que l'autre pays qui a avancé. Donc, c'est que là, nous avons un engagement qui prend au niveau international, surtout sur la Caraïbe. Côté que, gagné futur président CARICOM, qui c'est président Jovenel Moïse, nous avons une mise qui fait. Et mise là, et le tab dit qu'on corbe qui est censé disposer, qui pral disposer, qui pral disponible pour capable faire développement, pour arriver avec San Gabriel et question réchauffement, question problème qui pral gagner. Mais nous-mêmes, qui ça nous doit faire pour nous parler? Non, pour nous parler, c'est pour nous déjà gagner des projets viables. Ça fait président Jovenel Moïse dit, li pral parler de 7 milliards à chaque fois qu'il prend la parole. Et en Haïti, pral gagner des projets sérieux. Ça fait mettre l'accent sur la question les centres de germoplasme, qui c'est un gros projet que président Jovenel Moïse a porté. Je dis, en l'année de Haïti, 30 ans de désordre accru, côté couverture forestière, nous moins de 2%. Je dis, il faut que nous gagnions des avancées. Et chaque centre de germoplasme, ça a coûté nous des millions de dollars. Donc, il faut que nous jouions l'argent pour nous faire. Yo. Et la question de traiter bassin versant, yo, curer rivière, yo. Aujourd'hui, nous avons 284 rivières. C'est avec la caravane du changement, gagner de travail qui fait sur des rivières, notamment rivière La Ravine. Donc, il faut que 284 rivières, ça a curé. Hier, on a regardé dans le pays la France, gagner un citoyen qui prend la parole pour dire, lui ramasser des cobs pour être capable de nettoyer une rivière qui est la rivière Blanche dans la zone Gantier. Mais pendant que le président Jovenel Moïse expliquait que gagner des matériels qui prennent dans la caravane pour capable de mettre la caravane sur tout le pays, la rivière Blanche fait partie de 284 rivières là, nécessairement pour calculer. Donc c'est pour la population, je veux dire, comprendre que les discussions ça va faites au plus haut niveau de l'État, côté des dirigeants de notre pays à dialoguer ensemble, nous-mêmes, nous gagnons des leaders qui dégagent le leadership, qui gagnent de capacités pour être capable de discuter pour le bien-être d'Haïti. En Ojambé, Bruxelles, Belgique, jeudi à matin, président pays a été croisé avec chambre de commerce avec des entrepreneurs belges qui s'accotent. Bon, notre discussion ça yo, c'est plutôt une discussion d'échange. Côté yo chaque présenté yo, yo tendait d'une part président Jovenel Moïse qui a montré yo qui possibilité que pays a gagné. C'est vrai que nous sommes pays qui gagne 27 550 km² nous on li gagne pile opportunité de développement, pile opportunité pour monde venir investir et ouais président Jovenel Moïse fait le devoir pour l'accompagner de 11 entrepreneurs qui yo chaque a évolué en Haïti dans des secteurs différents et yo chaque présenté yo, homologue présenté yo, yo discuter entre eux, gagner ça m'ta capable le networking qui fait entre eux, yo discuter puis gagner tout qui dégager de volonté pour ta vie investir et gagner en pile dans yo on l'autre fois encore même je ça t'est fait dans pays la France qui manifester volonté pour venir faire visite d'exploration en dans pays parce que monsieur Borges dit aller entrepreneur que pays a ouvri 27 550 km², li ouvre investissement mais t'aimer venir garder, t'aimer venir ouais pays ça qui ça l'offre et à travers le centre de facilitation des investissements le entrepreneur ça ouvre. Il y a un côté pour canaliser. Alors, ça qui est étonnant et même en même temps
était émouvant, c'est lorsque il y a plusieurs entrepreneurs qui ont même parlé du dossier d'Haïti, qui était déjà en Haïti, pour raison ou l'autre, qui était dans la santé, qui était dans l'autoconstruction, etc. Donc, il y a une connaissance de terrain par des entrepreneurs belges. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et tu as l'air de mettre un peu l'accent sur le nouveau leadership là, avec le président Jovenel Moïse. Le entrepreneur vient investir, je garantis qu'on a besoin de cadres qui ouvrent. Puisque lorsqu'on va discuter avec le président son entrepreneur dans l'âme. Ça veut dire qu'il connaît qui ça un entrepreneur besoin comme avantage pour lui capable rester dans nos pays. Donc c'est ça qui fait quelques entrepreneurs qui a discuté avec le président Jovenel Moïse, ou après toujours dégage un grand sourire parce que c'est entrepreneur avec entrepreneur. J'aimerais me dire, il y a des langages, c'est une avec l'autre qui aux gens comprennent. Alors moi-même, surtout, promotion nous dans Radio Télé Guinée, c'est Bâti Haïti. Bâti Haïti, spécialement pour Haïtiens qui sont dans la diaspora, ça eux même qui ont rêve. Yo Haïtiens l'autre gens. Parce que yo même qui de yo a yo travail et yo connaît faut que yo travaille et faut que yo investi pour capable avancer et en même temps pour grandir tout pour subvenir à besoin par yo nous on est tout qui dit gagner cacao d'Haïti et qui dit que qui problème que le gagne avec cacao et bien en même temps le montrer qui ouverture de marché et d'échange qui capable gagner avec Haïti là où en France moi c'est ce qui a monde qui te pose des questions et en France quand elle t'a dit que c'est vrai avec cyclone Mathieu ils n'ont écrasé mais au fond passer mais la donne c'est pour montrer que si nous articuler tout effort nous ensemble gagne des solutions viables qui capoter mais nous chaque nous dégrainer n'a fait des actions isolées donc action yo pas coordonné et capable dit solution elle pas viable et c'est ça que fait aujourd'hui le président Jovenel Moïse dit porte la ouverte pour nous dialoguer clé à nan mel. Donc si le chita l'a dialogué clé à nan mel, c'est que li prêt li paré pour discuter avec tout le monde qui veut venir investir en Haïti et c'est ça que fait souvent mettre en pile accent nouveau leadership là li là la volonté politique il est là et avec la volonté politique on peut faire beaucoup de choses et président Jovenel Moïse comme garant bonne marche institution yo li toujours montré que j'ai été fait 22 mois dans campagne la dit population l'autre si vous votez moi m'a mettre manger dans assiette ou mettre l'argent en poche pour le mettre dans assiette il faut le mettre terre en activité. Et pour mettre l'argent dans la poche, il faut vraiment gagner des perspectives, gagner de barrières qui dégagent dans le pays pour faire monde venir investir. Pour monde venir investir, il passe inévitablement par la stabilité politique qui est le premier des biens publics. Pas bon message qu'on dit lorsque le président dit porte la tout l'ouvrir et puis clé à dans la poche. Non, pas un message codé. C'est pour le mettre en confiance pour le dire, venez discuter avec moi. Tout homme chita n'a pas discuté pour le bien-être d'Haïti, pas gagner et porte qu'à fermer. Moi, là pour me discuter à coup. Ça veut dire, papa n'a pas discuté avec moi, pas de monde qui a vu fermer porte, pas de monde qui a vu me pression. Donc, tout homme chita m'a discuté avec vous, on nous discute tête frette, tête drette pour le bien-être du pays. Et nous capable de dire, livrer tout pour diaspora, parce que diaspora lui-même le plus souvent. L'homme et les diasporas, on dit haïtiens qui a vivent de yo, yo même qui a yo même qui gagne. Idée pour yon vin travail dans le pays, pour vin pote apport par yon. Le plus souvent, c'est tout un pays PC. Donc, ça, c'est pour Haïtien qui est dehors. Et il y a dans Haïtien tout, d'autres investisseurs étrangers qui ont même tout paraît dans le pays d'Haïti. Yon montre que c'est tout un montage. C'est comme si yon monte tout le monde pays avant que yon ici atterri dans le Platon pour yon capable d'entrer dans les affaires. Moi, je pense honnêtement, c'est information. Il y a des gens qui ont déjà montré à des gens qui vivent dans leur pays que les choses sont déjà compliquées. Mais tout à l'heure, je mets un peu l'accent sur le CFI, le Centre de Facilitation des Investissements, qui, je dis, est pour venir ouvrir investir, il ouvre des cadres bas où, il montre dans quel secteur où on est capable d'investir, où on fait des visites d'exploration. Donc, c'est une approche, c'est un dialogue, c'est une image qu'il y a voyée de pays. Pays pour pays compliqué, j'ai envie de comprendre. Il y a des gens, monsieur Bosch, qui sont en train de payer, ils amusent le compte, ils pillent tous les mais c'est Haïti, ça, mon chéri, ça, vous même non. Mais c'est pour, je dis, il faut que les gens qui, dehors, en de pays, vendent des images positives de pays. Parce que, en dépit de problèmes que nous avons, il y a des gens qui font business, il y a des gens qui font travail. Donc, pour créer travail, l'État n'a pas qu'à pigou pouvoir d'emploi. Il faut que le secteur privé a lui-même tout l'intégrer, le secteur public là, tout l'intégrer. Et je dis, un partenariat public-privé, le président Jovenel Moïse, où elle a donné. Et exemple là, il est vivant. Le fait que le président déplacé, premier tournée européenne, il est accompagné avec des investisseurs qui ont même prend frais voyage, payer frais voyage, ça veut dire beaucoup, ça montre que l'État, on le fait encore, veut mettre au service du peuple. Et pour les gens qui veulent faire investissement local, parce que nous connaissons une petite bourse, moyenne bourse et une grosse bourse, donc nous connaissons différents problèmes qui existent et tout. Et est-ce que porte à l'ouvrir pour vous tout? Porte à l'ouvrir pour vous, puisque la question de l'agro-industrie, c'est un point important que le président Jovenel Moïse mette accent sur lui. Il faut qu'on ait un investisseur qui accompagne le président Jovenel Moïse, ou qui lui-même sont son entrepreneur local, M. Jumel. Donc, tout le monde
moun sa yo, ki place pou yo, ki place pou tout moun. Discussion, j'aime toujours dire pour le président Jovenel Moïse, li pon variable, li son constante, li pare pou le discuter avec tout secteur. Surtout les lap discuter pou konnen ki modèl Haïti pou vle. Ki jon wè Haïti a? Parce que jodi an li di bon, gran mission après 5 ans là c'est quitter en Haïti où il fait bon de vivre. Madame porte-parole Tamara Orion, c'est un plaisir pour nous-mêmes, malgré nous en marge de rencontre Bruxelles-Belgique avec la communauté haïtienne. Donc, je vous remercie. Si toutefois, tu as une dernière parole pour ta dire avant contre ça et à tout haïtien qui attendait. Premièrement, c'est remercier les Guinéens l'autre fois encore qui fait moun ki de yo pays, moun ki an de pays suivre sa ka fèt yo chaque pas que président Jovenel Moïse fait pendant tourner ça yo wè li yo tande sa k'ap di et pour tout moun tout qui comprend nécessité jodi pour yo wè Haïti an l'autre gens. Haïti c'est pays nous quand même développement que n'a cherché si nous dit nous remet Haïti li passer par la stabilité politique, li passer par ça m'ta capable reler l'alternance politique. Donc faut que nous tolérant, faut que nous d'accord que jodi an bon président li relé Jovenel Moïse chaque action que l'a fait au bénéfice population. Nous vous remercie. Merci à vous, monsieur Borge. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous faut connaître que nous en direct depuis Bruxelles, Belgique. Côté que président pays a pral croisé avec communauté haïtienne qui est aux environs de Belgique parce que nous pas arrêter seulement dans Belgique parce que nous avons toute qualité haïtien qui sorti à côté de Belgique qui réunit là à soir là d'ici quelques instants sous peu le président vini nous même nous pas capable faut vivre tout ça qu'a fait yo tout ça qu'a passé à Jean Lier sur Radio Télé Guinée. Non pas monsieur Jean-Lucien Borge avec Deline Wilson depuis Bruxelles, Belgique. Restez branchés, n'a pas de pause, n'a pas de Nous en mange avant une rencontre qui a fait avec la communauté haïtienne de Bruxelles. Mais nous avons un entrepreneur qui c'est monsieur Alfred qui c'est monsieur Jacques Alfred Pierre qui c'est un entrepreneur qui accompagnait président République là dans voyage ça dans délégation officielle là et nous avons salué monsieur Pierre. Bonsoir, bonsoir les spectateurs Radio Guinée, bonsoir monsieur Borge. Content pour l'opportunité sur bon jodi a au moins pour me faire point de vue pam sur ça qui a passé là. A essayer un plus gros événement que moi-même quasi que vivre. Déplacement ça me fait président, c'est un déplacement là moi qui non seulement au port de mon pays mais côté que nous vienne en Haïti. Parce que on n'a pas qui fait longtemps qu'on sait du bagaille que nous pas qu'on fait. Mais qu'on y a là côté nous faire ça vient faire que moun ki rete bo ici ki nan diaspora vinn bon idée de ki sa ka passé la kayou. Vous comprendre parce que radio même yo ba information c'est vrai mais des fois négal travail négal nan dégage yo par contre ça ka passé mais là c'est président qui déplacé vinn porter parole là vinn pour ti avancer là pour parler plus parce que non seulement ça moun connaît moun ba oublier présenter aussi c'est avantage trading ki boye. Bon avantage trading nous même nous logé au cap haïtien dans 11F. Activité première que nous faisons, nous vendons produits surgelés, bah, ça augmente viande, fromage, tout bah, qui est obligé de conserver. Mais en même temps, nous avons des produits parallèles que nous faisons. Nous couvrions station de gasoline tout, du côté de Madeline. Nous avons tout service ça. Mais, je ne vous dis là, nous avons une expérience, ça qu'a fait là, moi, je m'en pile. Il est très positif. Et c'est un nombre qui t'a supposé refaire plus souvent. Parce que accueil, moi, nous recevoir là. Hier soir, nous étions déjà
à Paris, jeudi à nouvelle Bruxelles, et puis nous que tout le monde nous suive, nous pense que nous connaît que un message il peut le délivrer. Nous même nous invitant de ça qui a passé, président, même président là, gros Zanzoula, il peut apparaître là, en l'autre moment là, pour venir dire exactement qui ça a passé dans le pays. C'est un changement qui a soufflé. Nous venons montrer que normalement, Haïti, nous avons tenté un système d'assistant, de prêter à droite, à gauche, mais qu'on y a là, nous dit, nous ne pouvons pas faire le même genre encore. Nous ne pouvons pas laisser, ouais, c'est graisse cochon, cuit cochon. Et effectivement, c'est ça qui a passé. Route qui commence à faire, avant le changement de asphaltage, route au caillou qui a fait là, au bon temps, tout ça, c'est des bagages côté que nous avons montré là que son changement lié. Moi-même, avantage que je suis de ça qui a passé là, en tant que jeune entrepreneur, nous avons même vu une société en leitmotiv pour tout l'autre monde qui est derrière qui a gardé. Pour que pas grand est impossible. Depuis on a essayé, depuis vous voulez mettre main en patelin, nous avons fait ensemble. C'est le message dans ça. Donc, vous-même, vous sentez que vous tirez profit, alors, vous me dites, c'est non, et qui sont portés tourner la caille par rapport à son temps de vous, par rapport à promesse qui fait, par rapport à l'engagement qui gagne. Bon, après une expérience comme ça, si je me travaille 8 heures, je travaille 12 heures, je travaille 24 heures de temps, parce que son boost est lié pour moi, pour comprendre ce que nous avons, et puis de là étant, mon cap garde mieux tout. Je viens aussi un modèle pour yo. L'aime un modèle de société côté que tout le monde dit ah mon cher on travaille plutôt tant pour chita bail des histoires ou bien garder sous monde parce que c'est travail qui mettait nous là. Donc ouais président toujours dit c'est travail yo te pour mettre c'est travail n'a travail mais c'est travail qui mettait nous là. Tant que même tout qui déplacé avec nous époque Noël qui quittait la caille ou quittait radio ou quittait toute bagarre mais c'est parce que ouais ou obligé impliqué dans travail là pour l'avancement du pays. Et moi même c'est comme ça me d'arrêter tout le monde penser parce que pays en lui-même pays c'est nous mêmes c'est nous pour faire bail. Oui, bien, déjà en primeur, c'est l'arrivée du président de la République accompagné de la première dame qui est en direct. Et voilà. Je vous le président qui. A entamé cette semaine sa première. Les lumières, s'il vous plaît. Les lumières. Allumez les lumières. Ou bien les rendre plus brillants. Qui a entamé cette semaine, comme je vous le disais, sa première tournée européenne, le président a eu à rencontrer les différents dirigeants européens et surtout, il a participé au sommet One Planet, sommet qui est dédié à, oui, il y a les fleurs de la comtesse pour Madame la Première Dame. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc je disais que le président a eu à participer au sommet One Planet qui était dédié à trouver de l'argent pour financer la lutte contre le dérèglement climatique. Donc nous allons commencer avec l'hymne national de la République d'Haïti. Avec Monsieur Julien, qui va nous chanter, et nous allons chanter avec lui. Nous, Haïtiens et amis d'Haïti, nous allons chanter la Dessalinienne. Son deuxième mic. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans le grand point de traître, du sol, soyons se maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Merci monsieur le président. Très rapidement, nous allons commencer cette cérémonie avec les mots de bienvenue du chargé d'affaires de la République d'Haïti en Benelux, M. Fanfil Modestime. Attendez, pour les caméras, on a besoin des lumières. Les techniciens de la salle, s'il vous plaît. Les techniciens de la salle, les lumières.
Monsieur le Président. Son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers spéciaux, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents dans la salle, Mesdames, Messieurs les Haïtiens du Benelux et les amis d'Haïti, Mesdames, Messieurs, je voudrais au nom de la communauté haïtienne du Benelux et à celui de toute la mission diplomatique vous souhaitez ce soir la bienvenue parmi nous. Monsieur le Président, il me plaît de vous informer combien ce moment a été attendu par chaque Haïtienne et chaque Haïtien ici présent, mais aussi nos amis d'Haïti, les membres des ambassadeurs du groupe ACP et les autres ambassadeurs de l'Amérique latine. Certains parmi ceux qui n'ont pas la possibilité de faire le déplacement ici, retenus par des obligations professionnelles ou familiales, m'ont chargé de vous exprimer leur regret de ne pas pouvoir être ici avec vous. Mais ils m'ont aussi dit qu'ils m'ont chargé de vous transmettre leurs vœux de bonne réussite dans votre entreprise, dans notre entreprise. C'est avec intérêt qu'ils suivent les multiples réalisations de votre gouvernement depuis votre ascension à la magistrature suprême de l'État, notamment votre campagne contre la corruption et la mise en place des réformes institutionnelles pour enfin doter Haïti d'un État au service de tous les Haïtiens, aussi bien que ceux de l'intérieur que de l'extérieur. Notamment, beaucoup ont fait allusion aux caravanes de changement. Les Haïtiens et amis d'Haïti du Benelux croient dans une Haïti belle et prospère. Et ils disent tous, notamment les femmes, les hommes, si tous les jeunes dont les cœurs ne battent que pour le changement et le développement de Haïti, de la nouvelle Haïti que vous portez, en leur nom. Et en celui du personnel de la mission diplomatique haïtienne ici en Belgique, votre mission. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci encore, Monsieur le Président, Son Excellence Jovenel Moïse. Merci, Madame la Première Dame. Merci, Monsieur le Président, pour votre bienvenue. Et nous le savons, vous êtes tous venus ici pour écouter le président de la République. Certainement, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, laissez-moi vous dire. Donc, je disais que, comme le chargé d'affaires vient de le dire, beaucoup d'entre vous ont entendu parler du caravane changement. Mais vous savez que le caravane changement atterrit maintenant, c'est il y a 5 éléments pour ça. Le premier, c'est la vision du président de la République, pour pouvoir mettre Haïti sur la route du développement. La deuxième des choses, ce sont la stratégie découlée de cette vision. Troisième des choses, ce sont les projets découlant de cette stratégie. La quatrième chose, c'est...
c'est le message que le président ne cesse d'adresser à la population, et le messager qui prêche par l'exemple, le modèle de réussite qu'incarne le président de la République. Et puis, cinquième des choses, c'est le leadership. Parce que, il doit y avoir tout ça, mais le président de la République, il va vous l'expliquer tout à l'heure, il ne passe pas un seul week-end qu'il n'est pas là sous les projets à vérifier et à voir si ces projets-là se réalisent. Donc, mesdames et messieurs, haïtiens, haïtiennes, compatriotes, amis d'Haïti, ce soir, le président de la République, son excellence, Jovenel Moïse, sous vos applaudissements. Merci. Madame la gouverneure, chère épouse, amie, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre du Commerce, monsieur le député de la circonscription de Kouaï, département de la Grandesse, je vais parler du député Wolf Papillon. Je dirais qu'il est un habitué de la Belgique, il est chez lui. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis de la Belgique, mes chers amis de la communauté internationale, je vais parler des membres de la diplomatie internationale ici présent. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur l'ordonnateur national, messieurs les membres du secteur privé des affaires, mesdames, messieurs, pourquoi un long discours ce soir? Parce que je me sens chez moi. Je suis à Bruxelles avec ma communauté haïtienne. Je suis la communauté haïtienne parce que c'est une communauté intégrée, une communauté qui a beaucoup d'amis, une communauté qui a beaucoup et de sœurs étrangers parmi nous ce soir. Je vous demande d'applaudir la communauté haïtienne de Belgique. Pour transformer Haïti en une destination d'investissement et retirer le pays du rang de destination humanitaire, mon administration est en train d'exécuter un plan ambitieux de réforme à tous les niveaux de l'État. Je veux parler de plan ambitieux et courageux. Parce que, comme vous le savez, les mauvaises habitudes ont l'habitude. Il s'agit d'une nouvelle mentalité, une nouvelle approche de gouvernance. Cette approche veut se démarquer de l'assistanat et qui privilégie la prise en charge par Haïti de son destin. Pendant les 25 dernières années, vous avez contribué, je veux parler de nos amis, de nos sœurs et frères internationaux, vous avez contribué à hauteur, je dirais, de près de 15 milliards de dollars pour aider Haïti. Et malheureusement, 25 ans après, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Il n'y a pas d'eau pour l'irrigation. Les villes sont inondées, les plaines ne sont pas irriguées. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de projet de logements sociaux, il n'y a pas de construction d'écoles massives dans le pays. Je dirais,
qui est un échec visible. Les 25 dernières années, 15 milliards de dollars, il n'y a pas un projet, on peut dire, dans ce pays, qui a une valeur de 15e de ce montant. Cela veut dire, si il y a un échec, nous devons parler du gouvernement haïtien et de nos amis de l'international. Nous devons nous mettre au travail aujourd'hui, à l'instant même, pour faire plus avec le moins d'argent que possible. C'est pour ça que la stratégie de la caravane du changement est une stratégie par laquelle l'État entreprend actuellement une vaste politique de réforme qui utilise les ressources humaines et matérielles de l'État pour augmenter la production nationale et fournir des services de base à la population. Jusqu'à présent, 10 mois et quelques jours après, ma administration mon administration n'a pas encore signé de papier pour faire entrer de l'ordre. Avec les mêmes ressources de ce pays. Nous avons démarré avec la caravane. De 20 000 hectares de terre. Normalement, il y avait 32 000 hectares disponibles, dont 12 000 étaient sous l'eau, mais il y avait 20 000 qui n'étaient pas sous l'eau. Nous avons curé plus de 197 km de canaux d'irrigation. Nous avons construit près de 150 km de pistes agricoles. Nous avons réhabilité près de 242 km de berges sur les canaux d'irrigation et de drainage dans la vallée de la Tibonine dans 54 jours. Et le coût de ce travail était de 57 millions d'euros. Le gouvernement passé a réalisé, je dirais, avait l'ambition de réaliser des travaux similaires. Peut-être réaliser, réussir à peut-être 60%. L'État a dépensé 58 millions de dollars avec l'aide d'un bailleur, d'un partenaire, disons. 58 millions dépensés en 2008. Contre 4 millions dépensés en 2017. Les résultats de 2008, comme je vais vous dire, l'État a atteint des résultats jusqu'à 60%. En 2017, nous avons pu mettre sous l'eau 32 000 hectares dans la vallée de la Tibonine. Et les récoltes de riz, aujourd'hui, dépassent tout à fait. Et nous n'avons pas curé des canaux pour curer des canaux, parce que nous n'avons pas construit bien réhabiliter des routes pour réhabiliter des routes. Nous l'avons fait, c'est parce que nous avons une vision pour le futur pour la vallée de la Tibonine, qui est une vallée de 50 000 hectares. S'il faut dire, ça fait 71 ans.
le président estimé à inaugurer le barrage de Kano, un barrage qui peut desservir une plaine de 50 000 hectares. Il avait bien compris que cette terre avait besoin de près de 50 mètres cubes d'eau par seconde. Il a réalisé ses travaux pour mettre 50 mètres cubes d'eau par seconde sur ces 50 000 hectares de terre. Mais malheureusement, les travaux de drainage et d'irrigation ont été inachevés. Donc, la décision de continuer ces travaux pour aller de l'autre côté de l'Ester, pour irriguer toute cette vaste plaine. Je veux parler des 50 000 hectares qui vont produire le riz de la Timonite, mais d'une manière plus moderne. C'est pour ça, dans notre perspective, nous avons mis sur pied un système de coopérative. Parce que la constitution haïtienne est claire, Haïti est une république coopérative. Nous sommes en train de travailler avec les agriculteurs de la vallée de la Timonite pour créer des blocs de production. C'est quoi un bloc de production? Et maintenant, la récolte du riz se fait d'une manière rudimentaire, d'une manière artisanale. Nous voulons sortir de cette façon artisanale de récolter le riz pour récolter le riz d'une manière industrielle. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour permettre à chaque 500 hectares, les propriétaires se mettent ensemble pour créer un bloc de production. L'État commence à subventionner, je sais, dans le documentaire que vous venez de visionner là, vous avez vu des tracteurs agricoles. L'État a déjà distribué près de 100 tracteurs agricoles à ses agriculteurs et les entrepreneurs vont prendre en charge la partie industrielle. Nous sommes en train de créer près de 12 unités, je dirais 6 000 hectares, comme projet pilote dans la vallée de la Timonite. Et il y a 12 entreprises qui sont prêtes à construire des usines de stockage, de décortiquage de riz, de mise en sac de riz dans la vallée. Et d'ici la fin du mois de janvier 2018, la première usine sera inaugurée dans la vallée de la Timonite. Une usine qui va fonctionner avec la biomasse. Nous n'aurons pas besoin du diesel pour faire fonctionner l'usine. Ce sont les sonderies qui brûlaient dans le four. Maintenant, on va utiliser pour faire marcher ces usines. La première usine, comme je viens de vous dire, et le propriétaire de cette usine, il est là. Je demande à M. Charles Jumel de ce que je dois vous dire, M. Jumel. Le temps est venu pour que cette majorité silencieuse sorte de son trou. Et lui, venez au moins pour que le public voit un peu là. Voilà, lui, il est un planteur de riz. Producteur à la vallée de la Timonite. Et son fils vient de terminer l'université cette année. Et son fils retourne en Haïti pour aider son père dans l'assemblage de cette usine moderne qui va produire le riz de la vallée de la Timonite. Aujourd'hui, nous avons la capacité de vendre, nous allons commencer à payer la dette du Venezuela avec le riz de la vallée de la Timonite et la riz noire produite en Haïti. Merci, monsieur. C'est une vision, c'est une volonté.
cette usine qui coûte près d'un million de dollars, pour ne pas dire plus d'un million de dollars, ce n'est pas l'argent de l'État. L'entrepreneur prend des risques. Mais aujourd'hui, il y a une vision politique qui est derrière tout ça. À travers la Banque centrale, nous sommes en train de mettre sur pied un instrument financier qui va permettre à l'agro-industrie de se développer avec des prêts à faible taux d'intérêt, je dirais entre 5 et 7% en gros sur 15 ans. Fixe. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement de l'agriculture sans le développement de l'agro-industrie. Parce qu'il faut conserver, il faut transformer. Produire seulement. Si nous ne créons pas de valeur ajoutée de la production agricole, nous n'allons jamais voir le décollage économique. La caravane du changement a laissé le département de l'Antibonite le 1er juillet de cette année. Destination, département de la Cadence, département des Nîmes. C'est le département du Sud. Ça fait 5 mois depuis que nous travaillons sans relâche, 24 heures sur 24, avec la nouvelle loi votée par la 50e législature qui permet aujourd'hui à Haïti de travailler 24 heures sur 24. Nous avons 3 chiffres aujourd'hui en Haïti. Nous pouvons travailler de 8h à 4h, de 4h à minuit, de minuit à 8h du matin. Cela veut dire quelqu'un qui a une entreprise aujourd'hui en Haïti avec les mêmes équipements. Vous pouvez optimiser les profits de votre entreprise parce que la loi sur les 3 chiffres, cette loi est votée et publiée depuis le mois d'octobre de cette année. L'opération au coup de prix du Grand Sud, nous avons déjà réalisé plus de 35 km de route asphaltée dans la ville de Caïn, la ville de Cambéré, la route. La route nationale numéro 5, la route du 6, je veux parler de Carrefour Méridienne du 6, la route de Chantal, le pont sur la rivière, la gueule, ce pont sur la jetée, je dirais, les travaux devront, nous devons démarrer avec ces travaux d'ici l'été de 2018. Nous allons laisser le Grand Sud avec des travaux d'infrastructures considérables. Nous allons laisser le Grand Sud avec plus de 500 km de route asphaltée et bétonnée. Mais pour ce faire, il y a des décisions difficiles à prendre. Parce qu'il faut savoir qu'un kilomètre de route coûtait à l'État avant le 7 février 2017 en 1 200 000 dollars et 1 500 000 dollars. Je veux parler du revêtement. Aujourd'hui, après la publication de l'arrêté sur les trains de vie de l'État, nous nous sommes mis au travail. Nous avons fait appel à des experts nationaux et internationaux sur les prix de référence. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le kilomètre de route peut coûter à l'État 100 000 dollars de Dieu. Pour passer de la parole aux actes, la route de Carrefour-Joffre à Lanzafoleur, qui est un rêve pour ceux qui habitent le nord-ouest d'ailleurs, c'est le seul département du pays qui jusqu'à
jusqu'à présent, n'a pas 20 km de route à son nom. Le département du Nord-Ouest, 214 ans après notre indépendance, n'a pas 1 km de route à son nom. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'installer une usine de béton bitumineux, je veux parler de l'asphalte, à proximité de ce département, plus précisément à Beaumont, pour ceux qui connaissent cette région, pour asphalter, pour mettre du béton bitumineux sur tout le département. Je veux parler de la route qui conduit vers la Sableur, de la route de Jarabel, de la route de Marouge, du Mont-Saint-Nicolas, de Bombardopolis, de Benoît. Dans ce rouge, nous allons asphalter toutes ces routes-là. Pourquoi ? Où est-ce que l'État va trouver cet argent ? Je dois vous dire, nous sommes en train de faire, de réaliser beaucoup de travaux avec peu d'argent. C'est ça la lutte contre la corruption. C'est ça cette bataille acharnée que nous menons contre la corruption. Le résultat, ce n'est pas pour nous seulement. Le résultat, c'est pour le peuple haïtien. Cette majorité silencieuse qui a tant souffert de ce fléau, de ce cancer qu'est la corruption, nous sommes en train de nous battre contre ce fléau aujourd'hui. Et nous payons au secteur privé 100 000 dollars par kilomètre la route de l'Ensafleur. L'asphaltage vient de commencer. Il y a les 5 premiers kilomètres. C'est une société privée qui est en train d'asphalter ces 5 premiers kilomètres. La route qui conduit au Cap-Haïtien aussi, entre Gonaïves et le Cap-Haïtien, qui était dans un état pire. Cette route, nous sommes en train de l'asphalter, de faire du revêtement sur cette route, de Gonaïves jusqu'au Cap-Haïtien, en passant par Bulbourg, de Doré, Plaisance, Kangok, Blindé, pour arriver jusqu'au Cap-Haïtien. Je vous garantis, là nous sommes au mois de décembre 2017. Au mois de décembre 2018, cette route sera terminée. Je veux parler de la route Gonaïves Cap-Haïtien. Mais encore pour ce faire, pour réaliser ce genre de travaux, il nous faut du courage. Parce que la corruption est devenue, c'est comme l'État, en fait, c'est la fonction publique haïtienne. Nous ne comprenons même pas cette bataille que nous sommes en train de mener contre la corruption. Mais elle n'est pas facile. Je compte sur l'opinion publique. Je compte sur vous. Vous, haïtiens de Bruxelles, haïtiens de Belgique, haïtiens de l'Europe, je compte sur vous. Je compte sur mes frères de la communauté internationale. Je compte sur mes frères belges. J'ai parlé à un responsable ce matin. J'ai déjeuné avec un responsable belge qui me parle de la corruption, qui me dit combien c'est grave. Par exemple, chez vous, un fonctionnaire public qui a des responsabilités sensibles n'a pas le droit d'aller dîner avec quelqu'un qui a des intérêts particuliers. Je vous dis chapeau. Et c'est un pays comme ça que je veux construire aussi en Haïti. Le sous-développement, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un choix. Eh bien aujourd'hui, Haïti a fait un autre choix. Le choix du développement. Nous voulons laisser un autre pays après 5 ans. Vous avez compris qu'après 10 mois, nous avons fait beaucoup de choses. Mais je pense que nous avons fait plein de choses. Parce que il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays.
Ce ne sont pas les travaux qui sont faits. Les réalisations à faire les plus difficiles. Mais c'est le changement de mentalité. Ce n'est pas parce que les travaux, c'est du bitume. C'est de construire, je dirais, des ouvrages dans le pays. Ça, ce n'est pas difficile. Parce que j'ai trouvé des usines à travers le pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'Haïti possède des usines de béton bitumineux éparpillées à travers tout le pays. J'en ai trouvé une demi-douzaine. Des usines achetées pour faire des commissions abandonnées par la suite. Nous sommes en train de récupérer ces usines à travers le pays et nous avons déjà installé 3. Et nous sommes en train de travailler pour installer les 4 usines. Une sera installée au Lembe, dans le nord. Une autre sera installée dans le sud-est, à Bérès. Et la dernière usine sera installée dans la zone de Miou à l'est de la rivière Gascogne. Ce que nous avons étudié sur les zones de production de matériaux de construction, je veux parler de la matière première pour avoir des agrégats corrects pour produire du béton bitumineux et du béton hydraulique. Cela veut dire, la vie est claire. Nous avons laissé beaucoup de kilomètres de routes asphaltées dans le pays, de routes bien faites. L'interrogation, c'est le changement de mentalité. C'est difficile. Et c'est pour ça que la stratégie de la caravane du changement, c'est une stratégie pour montrer au monde entier aujourd'hui Haïti veut renaître de ses cendres. Nous étions hier à la Perle des Antilles. Pourquoi? C'est parce que Haïti produisait des biens et des services en quantité pour exporter et pour sa consommation. Aujourd'hui, nous sommes devenus la Perle des Antilles parce que nous arrêtons car nous ne savons même pas pourquoi. Pourquoi nous avons fait le choix de porter tous nos biens, de ne pas produire notre population. Nous ne savons même pas. Et moi, je dois vous dire, après 10 mois à la tête de ce pays, je ne dis pas que je suis un monsieur, je sais pas. Mais je comprends beaucoup de choses. À la tête de ce pays, je peux vous dire que le courage manque aujourd'hui, et il y en a. Il y a une équipe à la tête de ce pays qui a beaucoup de courage. Je prends l'exemple de la corruption. Un ami des Nations Unies. Radio Télé Guinée, c'est One Center. Tout joueur, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas cabal goal pour. Il n'est pas demi, il n'est pas caméné jouet pour. Il n'est pas défenseur, il n'est pas cabal attaque pour. Il n'est pas gardien, il n'est pas cabal goal pour. Il n'est pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou ni relé chalbaré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou. C'est comme si c'était un instrument politique pour persécuter les gens. Pour détruire la personnalité d'honnête gens. Ce n'est pas la lutte, ça la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est cette lutte acharnée que nous menons pour que l'État, l'argent de l'État, doit travailler pour la collectivité. C'est cette lutte que nous menons pour que les 23 000 chèques dupliqués au niveau de la fonction publique soient retournés dans les caisses de l'État. C'est ça, la lutte contre la corruption.
Et vous pouvez compter sur moi. Parce que vous comptez sur moi. Je sais, vous allez travailler, vous allez suivre à travers les réseaux sociaux, à travers les sites officiels du gouvernement, tout ce que nous sommes en train de réaliser. Parce que parfois, on dit beaucoup de choses du pays et du gouvernement. Je prends l'exemple du budget. Les 5 grands mensonges du budget, vous habitez à Bruxelles, est-ce que vous ne payez pas vos taxes? Eh bien, comment on peut développer un pays sans les taxes et impôts? On nous explique que nous avons besoin des routes, de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation, de l'électricité 24 sur 24, mais sans argent. C'est comme si il y a un miracle à faire pour trouver cet argent. Je dois vous dire, j'ai publié le budget de la République, le budget de 2017-2018, c'est un budget qui va commencer à donner de l'espoir, de la croissance à ce pays. Nous avons des décisions difficiles à prendre. Et mon équipe est prête à le faire. Parce que le pays a de grands besoins. Je prends l'exemple des salles de classe. Haïti a besoin de près de 12 000 salles de classe pour que l'école primaire l'aide. Parce qu'on a aujourd'hui 90%, il faut le dire, avec la négociation du président Madeleine, nous avons eu la chance d'atteindre 90% des enfants qui vont à l'école. Je veux parler de l'école primaire. Maintenant, nous sommes en train de mettre sur pied un programme pour continuer, parce que ma fameuse phrase de campagne, je sais que vous avez une idée de cette phrase. Je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Pour continuer avec ce programme, le programme d'éducation pour tous, nous sommes en train de faire une étude sur les 10 départements du pays pour voir combien d'écoles primaires par région qui nous manquent. Globalement, nous avons besoin de 12 000 salles de classe. Mais je mets le cap sur 15 000 salles. Et pour construire ces 15 000 salles de classe, si on met 30 000 dollars par salle de classe, vous comprenez bien que nous avons besoin de 450 millions de dollars. Où est-ce que nous avons trouvé cet argent? Si les gens ne veulent pas payer leurs taxes et leurs impôts. Justement, pour vous dire que nous sommes prêts à travailler pour assainir l'État. Pour que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État pour travailler pour le peuple. L'énergie, vous avez entendu en fait l'annonce que j'ai faite au mois, à la fin du mois de juillet de cette année, les 27 750 km² d'Haïti, les 572 sections communales de ce pays, les 146 communes de ce pays, les 10 départements de ce pays vont avoir de l'électricité 24 sur 24 dans 20 mois. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis pas en campagne. Et la stratégie pour le faire, nous avons commencé avec l'électrification rurale. Parce que messieurs et mes frères qui sont là, vous le savez bien, il y a des zones dans le pays où les habitats sont isolés. Nous ne pouvons pas construire des réseaux électriques. Et ces habitats isolés, nous sommes en train de mettre des systèmes indépendants dans ces zones-là. Il y a entre 800 000 et 1 million d'habitats isolés en Haïti. Sur les 20 mois qui viennent, nous sommes en train de travailler pour électrifier ces 800 000 à 1 million d'habitants isolés. Pour les petites villes, je veux parler des micro-réseaux. Par exemple,
des villes comme les Sibois, nous sommes en train d'installer un système mixte. L'éolienne, le solaire et le stockage au Sibois. C'est une petite communauté de 500 familles. D'ici la fin du mois, je pense que cette mini centrale, nous allons la démarrer. Et ces 500 familles vont avoir l'électricité 24 sur 24 aussi. Haïti a 146 communes. De ces 146 communes, il y a 130 communes qui sont presque dans la même situation que les îles. Il y a 16 communes seulement. Pour faire un petit exercice, je sais qu'il y a des gens qui sont du Nord-Est. Je veux parler de la ville de Waname, de Fort-Liberté, la ville du Cap-Haïtien, du Lébé, de Saint-Louis-du-Nord, du Mont-de-Paix, des Gonaïves, de Saint-Marc, de Hèche, de Miralet. Je veux parler du bassin de Port-au-Prince, qui est, je dirais, ce bassin consomme 80% de l'énergie, du besoin énergétique du pays. Et moi, j'ai connecté toutes ces villes, en passant par Chapelle, Petit-Bois, Miragouane, Lécaille, Akien et Jérémy. Nous avons besoin de près de 500 km de réseau haute tension. Le pays a besoin de 500 km de réseau haute tension et de 4100 km de réseau de moyenne et de basse tension. Nous allons construire ce réseau parce que la dernière fois qu'on a construit 52 km de réseau haute tension dans le pays, c'était ce que le président estimait. Justement, pour vous dire, c'est cette partie du réseau qui reste jusqu'à présent qui sort le délit pour arriver à Port-au-Prince, 52 km. Il nous manque 500 km. Je vais le faire. 71 ans. Et le sommet One Planet que j'ai participé hier, ce sommet a renforcé ma conviction de dire que nous allons produire de l'énergie propre en Haïti. La matrice énergétique d'Haïti sera une matrice d'énergie renouvelable. Je veux parler de la biomasse, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de l'hydroélectrique. Nous ne produisons pas de pétrole en Haïti. Pourquoi de l'énergie thermique? Nous avons pris la responsabilité de travailler avec le secteur privé. D'ailleurs, nous avons trois membres du secteur privé, des gens qui produisent de l'électricité en Haïti. Je ne sais pas si les frères de l'énergie sont là. Est-ce que vous voulez que... Il faut vous venir. Hein. Ils sont là avec nous. Ce sont les propriétaires d'usines qui produisent de l'énergie en Haïti. Mais entre le gouvernement, je veux parler de mon administration et le secteur privé, nous sommes en train de créer une task force pour sortir de l'énergie fossile, de la production de l'énergie à partir du pétrole pour passer à l'énergie propre. Et c'est pour ça qu'ils sont là avec nous pour regarder ensemble l'Europe. Qu'est-ce que les Français sont en train de faire? Qu'est-ce que les Belges sont en train de faire aujourd'hui en termes d'énergie propre pour que d'ici les 20 mois qui viennent, Haïti va avoir ses 800 mégawatts. Parce que nous avons besoin de 800 MW de production dans le pays. Merci Joël, c'est M. Joël Bonfil du groupe ETA, c'est M. Jean-Marc Apollon de Kiba. Merci beaucoup. Justement pour vous dire, c'est ce qui manque aussi dans ce pays. Si vous voulez construire un pays, le secteur privé ne doit pas se mettre en face du secteur public et vice versa. Nous devons nous mettre en pour résoudre les problèmes de ce pays. Parce que pour des problèmes, nous en avons beaucoup. Pour la réforme de l'État, je vous ai parlé
de la lutte contre la corruption, mais aussi nous sommes en train de travailler avec l'OMRH, l'Office de Management des Ressources Humaines, pour intégrer l'administration publique, pour que des jeunes puissent intégrer l'administration publique. Il y a eu un concours, de ce concours, je dois vous dire, il y a eu la participation de plusieurs jeunes venus de l'extérieur. Mais 12 d'entre eux ont réussi le concours. Il y a 50 jeunes. 50 jeunes qui ont réussi le concours. De ces 50 jeunes, il y en a 12 qui viennent de la diaspora, qui ont retourné chez eux avec des masters, avec des maîtrises et des licences. Ils vont intégrer l'État. Ils vont, parce que si nous voulons construire un pays pour les générations futures, il faut que ce pays soit construit sur des bases solides. Il nous faut de la compétence. Et c'est pour ça que nous sommes en train de recruter des administrateurs civils de l'État sur concours. Nous sommes en train de travailler pour renforcer les institutions qui sont là pour lutter contre la corruption. Je veux parler du BAF, le Bureau des Affaires Financières et Économiques. Je veux parler de l'UCREF. Je veux parler de l'UNSIS. Nous sommes en train de travailler pour renforcer ces institutions. Un sujet extrêmement important, je sais que ce sujet est important pour la diaspora, c'est la spoliation des terres. Par exemple, vous êtes en train de travailler dur ici et vous avez acheté un terrain en Haïti et puis vous avez reçu un appel d'Haïti qui vous dit on est en train de construire sur votre terrain. Vous comprenez quel choc cela peut faire sur vous. C'est pour ça maintenant, nous avons mis sur pied un bureau au niveau du ministère de la Justice. C'est le BRICIF. C'est une brigade qui est là pour intervenir rapidement pour arrêter ces spoliateurs qui sont en train de fouler les terres de paisibles citoyens. Comment ne pas parler du rétablissement de l'armée avant de terminer? Je dois vous dire que le 18 novembre de cette année, nous avons rétabli l'armée d'Haïti. Parce que l'armée est une institution, et comme vous le savez mieux que moi, l'armée précède la nation haïtienne. Parce que quand les institutions marchent mal, ce ne sont pas les institutions, ce sont les hommes et les femmes qui se trouvent dans ces institutions. 23 ans déjà. Un choix politique a démobilisé l'armée d'Haïti. J'ai pris la décision de rétablir l'armée, mais ce ne sera pas en fait une armée d'infanterie, ce sera une armée au service du développement. Une armée avec un corps du génie, une armée avec un corps d'aviation, une armée avec un corps médical, et le corps d'aviation sera là pour surveiller nos frontières, pour surveiller l'espace maritime haïtien. Parce que Haïti est un pays comme tous les autres pays. Comment ne pas surveiller notre espace aérien, notre espace maritime et notre espace terrestre? Voilà le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée que nous sommes en train de rétablir. J'ai nommé un commandant en chef. Il y a des lois, des projets de loi à rédiger.
les projets de loi que le Parlement va voter, parce qu'il faut de nouvelles lois pour cette nouvelle armée. Il faut le vote au Parlement du commandant en chef. Je sais que d'ici le début de l'année prochaine, ce vote sera fait au Parlement. Parlons maintenant des votes des lois au Parlement. Nous avons eu un agenda législatif chargé cette année. Du 7 février 2017 à aujourd'hui, la 50e législature a voté une quarantaine de lois, accords et conventions. Si nous comparons les deux premières législatures, je veux parler de la 48e et de la 49e, ces deux législatures ont voté 20 lois, les deux. Et la 50e, à elle seule, en 7 mois, elle a voté 40 lois, conventions et accords. Justement pour vous dire, le rapport, cette collaboration qui existe entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est pour le bien-être de la nation. Et au niveau de la justice, dès mon arrivée au pouvoir, j'ai mis en place une commission pour lutter contre la détention préventive prolongée. Nous avons un document rédigé par cette commission. Maintenant, c'est au pouvoir judiciaire de réaliser les réformes et comme garant de la bonne marche des institutions. Je suis là pour surveiller, pour regarder, pour ouvrir mes yeux, pour comprendre ce que le pouvoir judiciaire est en train de faire avec celui-ci. L'image d'Haïti est extrêmement importante pour nous, pour faire de ce pays, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, il faut changer la mentalité de nos frères, de nos partenaires de l'international. Il faut sortir d'une destination humanitaire pour passer à être une destination d'investissement. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais nous ne voulons plus de pitié. Aujourd'hui, nous sommes en quête de l'investissement. Nous voulons voir de l'investissement dans le pays. C'est pour ça que j'ai fait ce long voyage avec le président de la Chambre de commerce d'Haïti, je ne sais pas si c'est là, et on a eu une très belle rencontre ce matin avec la Chambre de commerce de Bruxelles et les entrepreneurs haïtiens, justement pour dire à nos amis de l'Europe qu'aujourd'hui Haïti n'est pas une destination humanitaire, Haïti est une destination d'investissement. Nous avons beaucoup d'infrastructures hospitalières en Haïti. Je veux parler des hôpitaux de Port-au-Prince, l'hôpital général que vous connaissez peut-être tous, l'hôpital de Jacmel et l'hôpital de Gonaïves. Ce matin, un entrepreneur au niveau de la Chambre de commerce de Bruxelles a parlé de la spécialité de son entreprise en matière de gestion des hôpitaux. J'ai instruit le chef de cabinet pour qu'il puisse prendre contact avec la Chambre de commerce de Bruxelles pour voir comment, bien sûr, ce nouveau leadership, comment mettre ensemble le privé et le public dans la gestion des hôpitaux en Haïti. Parce que nous avons beaucoup de belles constructions, mais moi-même que je considère comme des éléphants blancs.
maintenant, il nous faut équiper cette posture. Il nous faut des ressources humaines pour ces constructions. Il nous faut une bonne gestion de ces hôpitaux. Et c'est notre Et comme le veut le protocole, de ces rencontres du président de la République avec la communauté haïtienne, nous vous invitons, le président est prêt à répondre à trois questions. Comme vous le savez, demain matin, l'agenda est encore chargé. Donc, hier soir, on a terminé aux environs de 11h30 avec les questions. Ce soir, on espère qu'on finira beaucoup plus tôt. Le président de la République, après trois questions, alors, monsieur, vous vous identifiez, si vous appartenez à une organisation, vous le dites, et vous posez votre question. Merci. Merci, monsieur le président. Mon nom est François Dadeski. J'imagine que vous connaissez ma famille en Haïti. Je vous félicite pour votre discours. Je voulais mettre une petite parenthèse, c'est que vous avez dit pendant les 25 dernières années, il n'y a rien eu comme projet qui s'est réalisé. Je suis désolé, monsieur le président, mais l'initiative de mettre en place le bureau haïtien de la normalisation est humblement, de ma propre personne, j'étais représentant de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et de A à Z, j'ai porté ce projet à des financements des Nations Unies et des financements de l'Union Européenne. Et je vous assure, pour les exportations d'Haïti, c'est un projet clé. Vous avez parlé de la corruption. Eh bien, monsieur le Président, en 2013, on m'avait demandé de faire un programme pour mettre en place 42 parcs industriels, mini-parcs industriels. Le projet a été mis en place. J'ai participé à l'élaboration du projet et sur une période de 4 ans, on pouvait démarrer 4 parcs, mini-parcs industriels. Et après, via la Banque européenne, donc la Banque interaméricaine de développement, on avait un financement de 200 millions de dollars pour démarrer ces 42 parcs industriels. Eh bien, monsieur le Président, je vous félicite de dire que votre priorité, ce sera la lutte contre la corruption, parce que les financements des 5 millions pour les premiers 8 parcs industriels, eh bien, par la corruption, on les a perdus. Et malheureusement, aujourd'hui, aucun des 8 mini-parcs industriels qui auraient pu être faits s'il n'y avait pas eu la corruption aurait été là. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, monsieur le Président. Je vous félicite de ce que vous allez faire, mais je voulais vous dire que dans le passé, il y a eu des problèmes. Merci. Merci pour cette question. Bon, si le fond de femme. Trois questions, vous avez bien moins. Oh, allez, madame, ensuite vous allez à la question. Vous identifiez, madame, et votre question. Sabine Lassard, architecte. Je vous donner des savoirs pour électrifier
pays, mais je ne sais pas beaucoup entendu parler d'urbanisation. Comment sortir les pauvres de la situation difficile qu'ils vivent et quels sont les projets d'urbanisation pour le pays? Merci. La troisième question, on va l'attendre de ce côté. On va écouter. On a beaucoup d'amis d'Haïti. On en a beaucoup là. On va voir monsieur. Non, d'accord. Bah, on va y aller. Bonsoir, mon excellence. Je suis Jean-Baptiste, agronome et animateur 105.fm Pays-Bas. On a parlé d'investissement, à vous dire en créole, parce que c'est créole. On a parlé d'investissement comme programme agricole qui pourrait parler pour Haïti depuis 10 ans. Tout le gouvernement refuse nous. Il ne peut pas nous passer pour faire le côté nous qui est prêt pour nous occuper de 100 à 1000 employés. Vous pouvez voir ici ma part de l'école de féminin, côté nous avons un programme de vie ici qui a mené, qui a fait l'école, qui a fait le football pour tout le monde. Et le gouvernement a refusé de reconnaître nous. Et dans leur 15 pays, il a accepté nous, côté d'affaires, il a agi de nous faire la gagne. Merci beaucoup. Très bien, Monsieur le Président, avec votre permission, est-ce qu'on peut entendre deux secondes questions? Avec votre permission. Donc, on va y aller avec. J'avais déjà pris deux de ce côté, on va prendre deux de ce côté. Et, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre disponibilité. Moi, je suis Oudley Davilma, je suis des Gonaïves. Depuis 12 ans, je suis ici en Europe. Et en ce qui dans cet enseignement, vous avez guetté, selon moi, parce que le gouvernement m'a donné, il a enlevé 1,50$. Et puis, sur les appels téléphoniques, aucun appel. Et sur les réseaux sociaux, on a demandé qu'est-ce qu'on a fait. Et puis, le gouvernement n'est pas capable de nous donner des informations. Je profite de ce moment de loisir juste pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait exactement avec la taxe 1,50$ et que le gouvernement m'a donné à ramasser jusqu'à maintenant. Et sinon, les diaspora, ici, on a pas beaucoup de boulot, on a fait des efforts, on veut travailler, on veut aider le pays, mais je veux savoir exactement qu'est-ce que votre gouvernement a fait exactement avec 1,50$ et puis sur chaque appel téléphonique, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'explication? Merci beaucoup. Dernière question. Je vais prendre madame. Il y a eu une femme qui est parlé. Je vais prendre madame. Madame, vous pouvez identifier. Je suis madame Joseph Rosset. Je suis médecin. Bien, voilà, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous n'avez pas parlé de la ligne familiale en Haïti. Or, il n'y a pas de démarrage en Haïti sans planning familial. C'est notre façon, disons, avec le planning familial, c'est notre façon d'assurer le bien-être, la nutrition des enfants qui sont déjà là. Vous voyez? Donc, je pense qu'il n'y a pas de développement en Haïti sans planning familial. Donc, il faut se programmer dans tous les domaines, dans tous les différents services. Merci, Monsieur le Président, pour réponse. Merci, je veux dire à M. Dardanès qui nous avons parlé de projet de 1 milliard de dollars, un 15e de cet argent. Il n'y a pas eu de projet sur un 15e de cet argent en Haïti pendant les 25 dernières années. On a eu 15 milliards d'aides, mais il n'y a pas eu de projet, on peut dire ce projet. A coûté un milliard de dollars sur ce pays pendant les 15 dernières années. Maintenant, je suis bien au courant du bureau de normalisation. Je dois vous dire qu'il y a une loi, un projet de loi à faire passer au Parlement. Nous sommes en train de travailler pour que d'ici l'année de 2018, la loi sur la normalisation, parce que pour avoir les certifications ISO, comme vous le savez, il y a plus de 19 500 certifications ISO, pour avoir la possibilité et pour travailler avec les certifications ISO, il nous faut une loi sur la normalisation, sur les normes. Et nous sommes en train de travailler pour que d'ici 2018, cette loi-là, le Parlement nous gratifie la loi sur la normalisation.
pour cette histoire de corruption, les PAC, les micro-PAC, je dois vous dire que le financement, j'ai eu un petit rapport sur ce projet aussi. Le financement était un financement de la mine. C'est vrai. Mais en fait, ce n'était pas tous les 5 millions de dollars pour la construction des PAC, c'était 5 millions de dollars pour le projet. Où on a créé les SAE à travers les départements du pays, on a acheté des véhicules neufs, on a fait, j'ai vu le rapport. Mais sauf que le gouvernement haïtien avait sa part à apporter pour la construction des PAC. Le premier PAC devrait démarrer à Saint-Raphaël. Le terrain là, on a clôturé le terrain, mais malheureusement le gouvernement haïtien n'a pas fait et n'a pas donné sa part. C'est pour ça que jusqu'à présent, nous n'avons pas de micro-PAC. D'ailleurs, on vient de faire la pose de la première pierre. Je pense que l'Union européenne est en train de financer un micro-PAC du côté de Tampere. Mais là, pour ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est pas actuellement qu'on a besoin pour le pays. Je suis en train de travailler pour au moins laisser une dizaine, mais on a besoin de 42 micro-PAC dans le pays. Un micro-PAC par arrondissement. Madame Nassar, l'urbanisation, je dois vous dire que ce matin, lors de mon déjeuner avec le représentant du gouvernement de la Belgique, j'ai parlé d'un projet de plan de développement territorial. Et avant mon départ pour l'Europe, une semaine avant, j'ai fait venir au palais le directeur général du CNIGS, le Centre national d'investigation géospatiale. J'ai fait venir les deux représentants de la CIAT, la commission interministérielle d'aménagement du territoire, le ministre de la planification et le directeur de l'ONACA, l'Office national du CADAS. Et ils ont 3 mois pour me donner un document. Un document pour lancer le plan d'aménagement territorial d'Haïti. Pour parler d'urbanisation, il faut un plan global d'aménagement du territoire. On ne l'a pas jusqu'à présent. Pour nous devons connaître exactement sur chaque mètre carré du territoire si c'est une zone agricole, si c'est une zone industrielle, si c'est une zone. Donc c'est pour ça que je demande ce plan. Au contraire, c'est l'une de nos préoccupations. Nous sommes en train de travailler avec la coopération belge aussi sur ça pour voir si nous pouvons avoir des experts venus de la Belgique pour accompagner les experts haïtiens pour réaliser dans un temps record ce plan d'aménagement du territoire. Et vous avez parlé aussi des logements sociaux. Je dois vous dire qu'Haïti a un besoin de près de 50 000 logements par année. Et c'est ce problème-là qui cause la prolifération des villes à proximité des grandes villes. Nous sommes en train de travailler pour avoir, premièrement, des logements à bon marché. Je dirais des logements de 50 mètres à 60 mètres carrés, mais pour aller en hauteur aussi. Parce que la loi votée en 2012 sur la copropriété permet aujourd'hui aux Haïtiens d'acheter des appartements dans des immeubles. Mais avant 2012, il n'y avait pas ça. Et nous sommes en train de travailler maintenant sur ça. D'ailleurs, nous avons déclaré d'utilité publique des terrains à Delma 33 parce qu'il y a une promesse de campagne. Nous avons promis dans notre campagne électorale de construire des maisons à bon marché pour les policiers et les professeurs d'école. Le premier projet, d'ici 2018, la pose de la première pierre du premier projet de construction des logements sociaux, je veux parler des immeubles avec 40 appartements. Nous allons démarrer sur la ville de Port-au-Prince avec les premiers projets pilotes. Jean-Baptiste, programme agricole, vous savez, moi je suis un agriculteur, je produis de la banane, j'exporte. D'ailleurs, je vois un frère de l'ambassade d'Allemagne, je l'ai vu là tout à l'heure, et j'exporte de la banane, j'exportais, je dirais, parce que maintenant je ne suis plus président de la compagnie, de la banane en Allemagne, j'étais président de la société agricole. Et c'est un marché extrêmement difficile, et nous avons eu la chance d'exporter en
premium bio sur la Allemagne. Justement pour vous dire combien nous sommes intéressés à accompagner les projets agricoles dans ce pays. Je sais que mon directeur de cabinet, il est là, et le chargé d'affaires, là, ils vont vous contacter pour avoir vos coordonnées. Monsieur Roudlé, nous venons de publier la loi sur le Fonds national de l'éducation. Et cette loi, ce n'est pas seulement 1,50$ de la diaspora et 0,05$ des appels téléphoniques. Il y a de l'argent prélevé sur la CRM, sur l'alcool aussi, pour l'école. Et je dois vous dire, j'ai un rapport mensuel sur le fonds FNE, et c'est un fonds qui est destiné à payer les professeurs d'école. Il n'y a pas de détournement de fonds à ce niveau. Et la loi est publiée. Nous avons publié cette loi au mois de novembre. Et vous pouvez consulter le journal officiel, le moniteur, bon, les journaux les journaux du mois, je dirais, de novembre. Vous allez voir, en fait, la loi sur le FNE, le Fonds national de l'éducation publique. Maintenant, il y a une loi pour ça. L'argent est dépensé à partir de cette loi. Le contrôle des naissances. Vous voyez, je n'ai même pas dit planning familial, j'ai parlé du contrôle des naissances. On ne peut pas parler de croissance économique sans le contrôle de la croissance démographique. Et c'est pour ça que ma femme qui met le projet là, quand elle m'a demandé, elle ne sait pas si elle veut dire deux mots sur ça, je le regarde. Après 22 mois de campagne, quand mon président est arrivé une fois, je me suis dit qu'est-ce que je devais faire. Je me suis rendu compte que les enfants de 6 et plus étaient pris en charge par l'État, tandis que les enfants de 0 à 5 ans n'étaient pas pris en charge. Donc j'ai bâti mon programme sur la petite enfance, où les enfants seront pris côté nutrition, santé, éducation, etc. Mais quand je devais faire l'application du programme, je me suis rendu compte que je ne savais pas où les enfants se trouvaient, ni même la quantité qu'ils étaient. Donc j'ai décidé de les identifier. Donc j'ai monté le programme côté mon compte, moi côté, pour pouvoir identifier les enfants. Mais ça, c'est une partie de mon programme. Dans le cadre de la protection de l'enfant, il faut également limiter la quantité d'enfants qui se fait, parce que si quelqu'un a 10, 15 enfants, il ne pourra pas s'occuper de tous, donc les enfants ne seront pas protégés. Donc, le contrôle des naissances sera la suite de côté moins côté. Et on commencera avec le contrôle des naissances par la grossesse précoce. Parce qu'il y a plein d'enfants, 13, 14, 15 ans, qui tombent enceintes par manque d'éducation, par viol, etc. Donc, c'est tout un chapitre. Je ne veux pas être trop long, j'ai l'impression que je reviendrai pour mon programme après. Merci. Merci, je pense que vous avez eu de bonnes réponses pour cette question. Et c'est mon premier voyage, je dirais, c'est ma première visite à Bruxelles, mais ce ne sera pas la dernière. Je vois que c'est un pays sympa, c'est une ville sympathique. Je dois revenir, comptez sur moi, comptez sur vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Dame. J'ai vu le chargé d'affaires accompagner le groupe présidentiel pour congratuler les différentes personnes qui sont là, le compatriote, nos amis de la République d'Haïti. Alors, oui. C'est une première fois, c'est pas une dernière fois à la fin. Merci à vous.
Amis téléspectateurs et amis téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui t'appuivent, président République là, son excellence Jovenel Moïse, accompagné de première dame République là, Martine Moïse, avec le secteur des affaires et deux, trois membres d'un gouvernement qui, eux-mêmes, sont adressés avec communauté haïtienne qui est dans Bruxelles, Belgique et ses environ. Donc, nous-mêmes, Radio Télé-Guinée, rôle nous, c'est pour nous capables de poursuivre tout événement au jeu lié, toute actualité, hein, et quel que soit côté que actualité ça y est. Nous vous remercions d'avoir côté Banou et Koutou, et nous-mêmes, nous n'avons pas remettre antenne, et non pas M. Jean-Lucien Borges, et avec moi, c'est Deline Wilson. Merci, studio, et merci tout le monde pour écouter avec tant côté Banou pour être capable de suivre en direct depuis Bruxelles. Rencontre président PIA. Merci un peu. À la prochaine.